Yo yo yo, la S3 Family, on est là, on part, on sait pas où. Il y a CN qui est en retard, j'espère qu'il va avoir ce train là. Parce que nous on a aucune information de ce qu'on va faire. Et c'est le seul et il est en retard. Va-t-il avoir le train ou pas? Bah comme d'habitude, il l'aura. Non mais faut savoir que Sen il fait des trucs impossibles hein. Il arrive toujours au moment où tu dis il aura pas le train mais il est là, là 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 là. Regardez les gens ils courent. Regardez les gens ils courent. Ce mec là il est au calme. C'est le mec le plus en retard mais il est au calme. Pourquoi courir? Pourquoi c'est pourquoi vrai? Pourquoi? Alors qu'on est tranquille, on est encore. Tant que le train n'est pas parti, on est à l'heure. De toute façon on tenait la porte avec Melo, on était là, on était là. Mélodie Isley. Non, honnêtement, les gars, on a fait une vidéo. Mais nous, tu vois, c'est la S3 Freestyle. Mais le mot freestyle, il veut tout dire freestyle. C'est-à-dire que même quand on fait une vidéo, on oublie des choses, tu vois. Bah là, on dressait à Annie. Malheureusement, ils ont pu enlever les numéros. Ils ont pas mis leurs numéros. Ils ont mis le numéro de Moss, de Logan, de Suida et de Brian. C'est avec Moss, Logan, Brian, ils sont harcelés par toute la YouTube. Tout le monde les appelle. Tu vois, c'est un peu marrant quand même. Par contre, si tu l'appelles, vas-y, arrête d'appeler, tranquille, je suis pas ton pote, normal. En fait, moi je réponds jamais au téléphone, donc ça aurait pas changé ma life. Exactement, voilà. Ça aurait vraiment pas changé ma life. C'est simple, je réponds pas, il y a trop de personnes, c'est pas possible. Donc voilà, easy, tranquille. De toute façon, on vous aime, tu vois, normal. On vient d'arriver où là? Yo, on est où là? On arrive à Londres. On est à Londres. Mais c'est pas là où on va. C'est pas fini. C'est pas fini. Bon bah là il fait encore plus froid. Encore plus froid. Plus froid. Encore plus froid. Bon encore plus froid quoi. Voilà, à peine arrivé. Andreas et Melo les pianistes. Mettez en commentaire si vous avez reconnu ma musique. Là, je viens de changer 55 euros, ça fait 37 pounds. Elle est où l'arnaque? Bah il est content lui. La S3 Family, là il y a un problème en fait. C'est que là je suis avec Céane et il a envie de prendre quelque chose au Casse à Café. Je sais très bien que ça va nous mettre en retard. Je sais très bien. Je sais pas pourquoi on le suit. Là parce mais... qu'en fait, je t'explique. Putain, non! L'estomac il parle avant le retard. D'abord l'estomac. Viens avec moi, viens, t'inquiète. I very like your accent English, man. Hey, la S3 Family, j'ai une question. On te voit pas, mais vas-y, mets un peu de lumière là avec nous. Hey, la S3 Family, c'était quoi ma question déjà? Je vais dire quoi? Pas. Ah, j'ai oublié. I forgot. J'ai reçu un message, il va s'autodétruire dans 5 secondes. En gros, on doit trouver un individu qui s'appelle Billy Watt, qui détient Billy White, une enveloppe blanche qui détient nos billets pour Cardiff. Allez, c'est parti. Faut trouver ça. Et là, il y a Billy White. C'est là-bas. Je l'ai vu. Il nous reste que quelques minutes. Je l'ai vu. Toujours, on court avec Zéane, toujours. Et ça le fait rire en plus. Billy White. Hey, c'est Billy Wingrove. C'était la blague de Céan. Billy White. Tout le monde m'a regardé chelou, regardez tout cela. Tous ces gens là. Ok, Billy White. C'est Billy White. Ticket. Billy White, on a les tickets, on peut courir. Courons. Ouais, on est arrivé à Cardiff. On est arrivé. Céan, attends-nous, non? S'il a froid. Vite, on est en retard, faut courir, les gars. Faut courir. Pas au moins. Arrivé à l'hôtel. Easy. Est-ce qu'on va avoir des chambres? On est en train de se tâter, là. Il y aura Andréa s'il veut sortir. Moi, personnellement, je suis dans un nouveau pays. Il faut que je visite un peu. Moi, j'ai plus le droit de faire ce genre de choses. Je suis marié et toute mon attention va à ma femme. Qu'il est mignon. Oh, c'est mignon l'amour. Voilà. Par contre, je précise qu'on est. Regardez l'hôtel. Hello, miette. Hein. Hello, what's up? Hello, S3 Family, bonne nuit. À demain. Ouais, bonne nuit, ouais. Voilà, on ouais, se réveille. Nuit, ouais. Je vous souhaite une bonne nuit. Je sais pas ce que va faire Andreas. En tout cas, nous, on va aller pioncer. Ouais, moi, et dormir, puis voilà, demain. Bon, j'ai dormi. Yo la S3 Family, regardez le château de Game of Thrones, les gars. Everything is free.
Breakfast is free. Yes, bon, il est 10h, ça veut dire qu'on a 15 minutes de retard parce qu'on devait partir à 9h45, donc c'est politiquement correct. Ça va. Tu vois, ça va, c'est des efforts. Ah, il a compris. Ouais, 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 je comprends. C'est correct ou pas? Ça va? Oui, ouais, ouais. Parce qu'en fait, moi je suis italien, donc c'est... Va bene. Voilà, je comprends. Non, mais parce qu'en fait, il connaît pas, c'est pour ça. Il a donné rendez-vous à 9h45. Mais pour moi, 9h45, ça veut dire 10h, parce que toujours on donne 15 minutes en avance. Mais aussi, il faut savoir que hier soir, il m'avait pas dit l'heure du rendez-vous, donc on est un peu excusé, tu vois. Bon, bref, ce matin, on se réveille et qu'est-ce que je vois? Twitter en folie! Twitter est en folie et qu'est-ce qu'il y a? Christophe Dugarry, il m'a clashé! Ah non! Bing, bing. André, tu te rappelles de cette histoire? Oh, je me rappelle de toutes les histoires. Vas-y, dis-leur ce qui s'est passé. Bah, en gros, il y a ce mec-là là, qui a foutu le bordel à Issey-les-Moulineaux. C'était en quelle année? En 2011. En 2011. Et il avait un peu, voilà quoi, mis la misère à Christophe Dugarry. Alors qu'il a dit, je veux pas qu'on mette des petits ponts, tout ça. Non, donc, si, donc non, c'était après, c'était l'année d'après, c'était quelqu'un d'autre. On ne va pas dire le nom. Et là, en gros, donc à cet événement, enfin avant-hier, j'étais invité à une émission de télé, et c'est faire le vestiaire. Vous savez, l'émission où Patrice Carteron, il a clashé Booba, donc c'est une émission de clash en fait. Voilà. Et ils m'ont un peu chauffé, ils m'ont dit, ouais, c'est qui a le plus mal pris tes petits ponts? Et j'ai dit, ouais, c'est la plupart du temps ça se passe bien, sauf une fois où c'était Christophe Dugarry, il était chaud. J'ai raconté cette histoire, et ce matin dans RMC, je vois la réponse de Christophe Dugarry. Oui, le freestyler, il a fait de ses trucs, c'est le freestyle, blablabli. Mais il sait pas que nous on a 40 ans et qu'on n'a pas à se faire afficher par un petit minot s'il veut aller jouer le dimanche avec ses copains comme ça. Ah, il était trop chaud, regardez. Ça, il a dit ça. Regarde, t'as pris pour un petit. Mais regarde. Il était venu, il fait son freestyle, il fait ses trucs, son schmimblick, son machin, tout ça, enfin voilà. Et je te cache pas qu'il en a énervé un ou deux. Moi, j'étais énervé. Et pourquoi? Parce que t'arrivais pas à lui prendre le ballon? Non, mais c'est pas ça, mais on vient de faire un match de bienfaisance, on a 40 balais, voire certains 45-48, il arrive, il nous fait des bordels, ça, le ballon passe par-dessus et tout. Au bout d'un moment, on lui dit, bon garçon, si tu veux faire ton truc, tu le fais le dimanche avec tes copains, mais avec nous. Alors je te cache pas que le basque Lizarazu, j'ai cru qu'il allait lui sauter à la gorge, il était très énervé, et moi, mon pied est parti sans faire exprès, oui, bah oui, il s'entravait dessus, ça peut arriver. Andrea, ça s'est passé comment? Vraiment, ça s'est super bien passé. Les petits, ils ont kiffé. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Ça n'enlève en rien le respect qu'on a pour eux, en fait. Voilà, exactement. Au contraire, on se respecte plus quand on essaie de te faire un truc. Ça veut dire qu'on vous prend en considération. En plus, Christophe Dugarry, je te regardais tout le temps quand t'étais plus jeune et que tu jouais au football. Ton crochet, passement de jambe du droit, débordement du gauche, centre du gauche, parce que t'avais quand même les deux pieds, je kiffais à mort. Ouais. Donc tu peux pas dire ça parce que t'as saigné des gens pendant toute ta vie sur le terrain. Et après, quand un mec il te saigne, tu dis bah, non, faut pas dire ça. Wesh, là on est en tournage, les gars, là. On est en tournage. Puis pour un technicien, ils ont un problème, il fait ah, c'est la DJ, ouais, faites ça, fichi. Bah ouais, parce qu'on sait jamais, tu vois. En fait, nous on utilise cette caméra. Approche-toi, montre-leur un peu la caméra, tu vois. Regarde la caméra, ouais. Voilà. Tu vois, cette caméra, nous on utilise ça. Ça veut dire qu'on a eu les expériences de problèmes de corrupted file, tu vois. J'étais obligé de leur expliquer parce qu'après on va devoir refilmer tout depuis le début. Tu comprends? Voilà, technicien Céan. Là, imagine là. Tous les gens là, on dirait le mec qui présente la météo. Imagine tous ces gens là. Tu marques là. Ça doit être le feu. Les gens ils se lèvent derrière. C'est qu'il y en a un, il est une minute d'inattention, une seconde d'inattention, c'est pas bon. Ouais. Toujours elle pense à des trucs négatifs. Et tu vois, Dugarry, lui, il l'a fait. Il a fait quoi? Bah, il l'a marqué devant plein de gens. Et moi, j'ai pas fait? C'est ça que tu veux dire? Non. I am the one, Ouais, je suis nul. I am the one, your son, don't need a gun to get respect. Regardez, on les presse tous. Regardez, c'est qui est en retard? Who is the last one? Non. Every time. We will run again and again and again. Super ambiance sur le plateau, comme on dit. Ouais. C'était lourd. Coucou, merci à Editing. Ah, vous allez voir, la vidéo, elle va être lourde. D'aller dans le train. Ouais. Et de essayer de filmer. Je fais quelques tricks, ok, d'accord. Thank you.
on voit quand c'est la fin du vlog. On voit quand les gens ils commencent à moins filmer. Tu vois, au début on a filmé toute notre life. Là on est déjà dans le retour presque arrivé à Londres. On n'a rien filmé depuis. Mais je vous explique pourquoi. Regarde juste là. Mais celui qui filme, il fait le malin, c'est pareil. Il y en a qu'un qui travaille, tu vois, qui fait les montages, qui bosse. Il est parti se coucher, il était 8h30 du soir hier. Yo les 3 fans mini, on vient d'arriver à Paris. Oui. C'est la fin du vlog. Oui, Part 1, parce que c'est important de préciser qu'on part à Madrid dans 2-3 jours avec Annie pour refaire la suite du vlog. Ouais, enfin pour faire autre chose, hein, pour faire un autre tournage et continuer le tournage de Gameplay Plus, qu'on fera une vidéo spéciale sur la chaîne après les deux parties du vlog. Donc voilà, et ensuite comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et surtout abonnez-vous. Oui, mais alors voilà, en fait pour t'abonner, il faut juste cliquer sur le bouton qui est juste là, et pour regarder la dernière vidéo, il faut cliquer sur la pour regarder la dernière vidéo, il faut cliquer sur le carré qui est juste là. Voilà, on se voit la prochaine fois. Voilà, bye.